autre. Bon, Non, non, pas cette fois, non, cette fois. Je suis convaincue. mes chers collègues, donc nous accueillons notre collègue, Madame Josiane Corneloup, députée de Saône-et-Loire et présidente de l'Association nationale des pôles territoriaux et des pays, plus connue sous le nom de l'ANPP. Bien qu'il ne soit pas nouveau, notamment les pôles d'équilibre territoriaux constituent une forme de coopération intercommunale moins connue que les EPCI, notamment à fiscalité propre. Et globalement, au 1er janvier 2021, on recensait, et vous y reviendrez, j'imagine, puisque c'est l'essence même des pays, des projets de territoire, 268 projets de territoire organisés soit en pays, soit en PETR, qui structurent une grande partie de notre territoire national. Plus de 45% de la population, et vous fédérez à la fois les PETR et les pays. Et donc, vous êtes à ce titre-là un observateur privilégié du développement des territoires de projet. Je pense que vous aurez l'occasion d'y revenir dans votre propos liminaire. Je crois que c'est des pays au PETR, la ligne directrice, c'est bien le projet de territoire et une souplesse dans la gouvernance qui permet effectivement de mettre en œuvre des projets de coopération, des projets de coopération territoriale. Je ne serai pas long dans mon propos liminaire. Peut-être insister, Madame la Présidente, sur deux, trois enjeux qui me semblent importants à évoquer cet après-midi au regard des prises de position de l'ANPP plus récemment. D'abord, peut-être revenir ensemble sur la question de l'ingénierie territoriale. On sait qu'elle est fondamentale à la fois pour accompagner les collectivités dans l'enjeu de la transition écologique et énergétique. Et nous le disons souvent ici, il n'y aura pas de planification écologique ou de transition écologique réussie si les collectivités territoriales n'y sont pas pleinement engagées. On sait qu'elles ont à leur disposition un certain nombre d'outils. Je pense à l'ANCT, je pense au CEREMA que nous avons auditionné, je pense à l'ADEME. Et vous avez d'ailleurs fait récemment une proposition sur lequel je pense que vous aurez à cœur de revenir, le 1% ingénierie. Nous en parlions juste en aparté avant le lancement de cette audition pour finalement accompagner un plus grand nombre de collectivités territoriales. Un des supports à la mise en œuvre de cette transition écologique, énergétique et à l'investissement de manière plus générale, ce sont les contrats de relance et de transition écologique. 20% d'entre eux ont été et sont portés par des pays ou un PETR, et votre regard sur les CRTE nous serait très utile pour finalement apprécier l'impact de cet outil, aussi peut-être ses limites. Deuxième sujet que vous portez aussi, c'est les projets alimentaires territoriaux, les PAT, conjointement avec les services de l'État, et peut-être revenir un peu sur leur rôle, leur efficacité, leur impact. Et puis un troisième sujet qui me semble fondamental, notamment pour les territoires les plus ruraux, c'est la mobilité. La loi LOM a permis aux communautés de communes et aux PETR de devenir des autorités organisatrices de mobilité. Je crois qu'au 1er avril 2022, on dénombrait seulement 53% des communautés de communes qui sont devenues des AOM. Donc, finalement, comment est-ce qu'on accélère ce bon maillage de mise en œuvre de politiques publiques de mobilité adaptées à chaque territoire, en particulier dans les territoires ruraux? Et encore hier, le gouvernement relançait les dispositifs de covoiturage. Comment voyez-vous aussi cette réponse de politique publique dans les territoires les plus ruraux pour suppléer parfois un manque de transport public? Est-ce que c'est là une des pistes pour mieux mailler le territoire? Voilà, je ne serai pas plus long, Madame la Présidente, et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Effectivement, en tant que présidente de l'ANPP, eh bien, je suis ravie de venir vous parler de ce que fait notre association et du rôle important sur les territoires. Peut-être un petit point de présentation de la démarche pays. Donc en fait, à la base, il y a donc des communes qui se réunissent en intercommunalité. Et ensuite, ces intercommunalités se réunissent en pays. Un pays, c'est à peu près une moyenne de 3 à 4 intercommunalités. Et ça a tout à fait du sens, puisque certaines thématiques dépassent largement l'échelle de la communauté de communes. Je pense typiquement aux problèmes de mobilité, mais pas que. Nous sommes arc-boutés depuis la création de l'ANPP sur cette notion de projet de territoire.
Alors, cette notion a été beaucoup calvotée, notamment au moment des CRTE. Donc, nous avons tenu à publier un vademécum pour préciser ce qu'était un projet de territoire. Pour la NPP, le projet de territoire, c'est une vision stratégique d'un territoire, c'est-à-dire une vision à moyen terme, voire long terme, à 15, 20 ans, voire 25 ans. C'est un projet qui n'est pas du tout plaqué, qui n'est pas le projet d'un mandat, qui n'est pas le projet d'un élu, qui est le projet du territoire, par le territoire et pour le territoire. Et à la base, à partir de ce projet de territoire, bien sûr, vont être déclinées des actions qui vont être conduites en partenariat avec les intercommunalités pour satisfaire les besoins qui sont les nôtres. Ce projet, à côté d'être stratégique, il est intégré, c'est-à-dire qu'il va mettre en cohérence les politiques publiques pour donner du sens, et il va conjuguer à la fois les dispositifs contractuels et les outils réglementaires. Il est également partagé, et nous y tenons beaucoup, partagé avec l'ensemble des acteurs, qu'ils soient publics, privés, élus, associatifs, chefs d'entreprise, parce que, comme je vous le disais, c'est un projet qui émane du territoire, et qui doit donc être constitué par tous, et qui, pour chacun, il doit y avoir une véritable appropriation de ce projet. Les thématiques qui sont les nôtres, eh bien, c'est la transition énergétique, c'est le cadre de vie, les services à la population, c'est aussi les contractualisations, et vous l'évoquiez, bien évidemment, les CRTE, mais aussi les fonds leaders, les CLS, les CLSM, c'est tout cela. Et puis, l'animation économique. Contrairement aux intercos qui, eux, ont vraiment le développement économique. Nous, c'est l'animation. Pour mettre tout cela en œuvre, eh bien, évidemment, il faut de l'ingénierie. Et nous avons porté cela récemment dans le cadre d'une tribune qui a recueilli plus de 13 000 signatures et que nous avons ouverte également à co-signature auprès d'associations. Et nous avons plus de 35, je crois, associations qui ont co-signé. C'est donc quelque part pour nous le reflet que nous étions dans quelque chose qui a interpellé les élus et dont le besoin est bien réel. Cette ingénierie, nous avons publié un vademécum pour expliquer ce que c'était. Alors, on connaît l'ingénierie publique territoriale, on connaît l'ingénierie, la fonction d'État, on connaît la fonction hospitalière. Celle-ci, c'est une branche de la fonction publique territoriale qui vise à assurer le développement local et les transitions et qui demande des compétences tout à fait particulières qui sont à la fois des compétences comptables, financières, juridiques, mais également, ce sont des personnes qui vont être des vrais chefs de projet, qui vont être en capacité de mettre en réseau les différents acteurs. Et nous avons prôné le 1% ingénierie, parce qu'aujourd'hui, cette ingénierie, eh bien, elle est invisible. Et il nous semble qu'il faut que demain, elle soit financée pour qu'elle soit parfaitement opérationnelle. Donc, nous avons développé cette notion du 1% ingénierie, c'est-à-dire que sur un montant 100 d'investissement, eh bien, il y aura 1% qui sera dédié au financement de cette ingénierie. Et nous sommes ravis de l'annonce de la Première ministre récemment de la création d'un fonds de 250 millions d'euros qui vise à financer cette ingénierie. Alors, si j'ai bien entendu, ces 250 millions d'euros seraient financés à hauteur de 200 millions par la Caisse des dépôts et 50 millions par le Fonds vert. Nous en sommes complètement ravis parce que j'ai l'habitude de donner cet exemple qui est assez parlant. En fait, beaucoup de nos pays, nos territoires adhérents, sont investis, vous le disiez, dans des PAT. Et les premières actions mises en œuvre, souvent dans le cadre des PAT, c'est de décider que toutes les cantines locales seront approvisionnées localement. Sauf que ça, il ne suffit pas de le dire. En fait, pour le mettre en œuvre, cela impose d'aller rencontrer les directeurs des achats, parce qu'ils avaient très souvent l'habitude de faire des commandes sur des catalogues Pomona ou autres et de cocher des cases, et ils commandaient 800 000 euros en 3 heures. Désormais, eh bien, il va falloir lotir, parce que
aucun fournisseur local n'est en capacité de répondre à de telles demandes. Donc ça demande un travail beaucoup plus important et ça demande une toute autre démarche, puisqu'en plus, vous savez que dans les appels d'offres, la législation européenne nous interdit de privilégier un producteur local. Ça veut dire qu'il faut faire appel à de nombreux subterfuges pour que dans l'appel d'offres, vous puissiez préciser que eh bien, le fournisseur devrait être en capacité de livrer dans les 24 à 48 heures en cas de manque, etc. Donc ça, c'est un travail qui doit être conduit en même temps que l'on décide d'approvisionner les cantines localement. Mais il n'y a pas que cela. Il va falloir également aller voir le cuisinier pour lui dire que désormais, eh bien, il devra établir ses menus différemment et il devra tenir compte de l'offre disponible. Il va falloir aller voir les enfants pour leur dire que désormais, le poulet sera sûrement un peu plus dur qu'avant et que le lait n'aura pas le même goût. Parce que, voilà, ça aussi. Il va falloir rassurer les parents qui vont tout de suite lever les bras au ciel en disant le prix de du repas sera beaucoup plus élevé. Donc, tout cet accompagnement doit être fait. Et aujourd'hui, eh bien, il n'est pas fait et cet accompagnement n'est pas financé. Donc, c'est pour ça que le 1% ingénierie, nous y tenons énormément. C'est la réussite de tous ces dispositifs qui est en cause. Parce que nous pensons réellement que face aux transitions qui sont les nôtres et qui sont très importantes en termes que ce soit numérique, que ce soit alimentaire, que ce soit énergétique, eh bien, si nous voulons satisfaire les objectifs de la loi que nous avons votée, notamment en termes énergétiques, avec le moins 40% en 2030, il faut que chacun de nos concitoyens s'approprie tout cela pour changer les comportements. On sait que le changement de comportement, ça n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Et il faut comprendre pourquoi il faut le faire. Et nous n'aurons des résultats en lien avec les objectifs qui sont les nôtres que si nous emmenons le plus grand nombre. Donc cette ingénierie me paraît absolument indispensable. Nous sommes également très attachés aux coopérations, tant urbaines que rurales. Et nous avons à ce titre des pays qui ont porté des contrats de réciprocité. Donc, on a un certain recul maintenant. Nous sommes attachés également aux coopérations publiques-privées, qui sont très souvent assez peu développées, et aux coopérations, bien évidemment, interterritoriales. Et nous travaillons régulièrement, notamment avec les interco. Notre association, donc, que vous l'évoquiez, Monsieur le Président, c'est en fait, il existe 268 pays PETR en France. Notre association en fédère 263. Nous représentons avec tous ses adhérents 62% du territoire national en termes de superficie et 48% de la population nationale. J'ai perdu le fil. Pardon. Nos missions, donc je l'ai dit précédemment, c'est la transition énergétique. C'est les services à la population, le cadre de vie, l'animation économique et donc les contractualisations. Nous avons également cette particularité de travailler avec un grand nombre de partenaires qui sont à la fois des partenaires publics, mais aussi des partenaires privés, des fédérations, associations d'élus. Et ils sont très nombreux puisque, alors parmi eux, nous avons, ça a été évoqué, la NCT, mais aussi le CEREMA, l'EDF, l'INRAE, la DCF, enfin nous en avons 45 en tout. Des partenaires qui sont bien sûr des contributeurs, mais pas que. En fait, le choix de ces partenaires s'effectue par rapport à nos valeurs. Et nos partenaires sont des personnes qui portent nos valeurs, notamment en termes de proximité, et qui portent également ce maillage territorial qui est le nôtre. Voilà. Concernant les sujets portés, un petit point sur l'agenda rural 1, puisque nous avons salué effectivement la mise en œuvre de cet agenda rural 1 et nos territoires s'en sont largement emparés. Donc il y a des points très positifs aujourd'hui qui sont aboutis. Je pense par exemple au VTA, qui a été l'occasion d'apporter une aide sur les territoires avec ses volontaires territoriaux administratifs. Le déploiement des maisons France Service. Alors moi, je suis une inconditionnelle des maisons France Service. Hein, et je,
J'ai beaucoup incité leur création et le déploiement de leurs compétences, mais également le déploiement des tiers-lieux. Je pense aussi qu'en milieu rural, puisque nos territoires sont majoritairement ruraux, les tiers-lieux sont une ressource extrêmement importante et autour desquels on peut développer beaucoup de choses. Je pense par exemple, pour avoir déposé une proposition de loi bientôt, il y a peu de temps, sur les chèques bureaux. Et je crois beaucoup que suite au Covid, où nous avons vu beaucoup de personnes rejoindre la ruralité pour télétravailler, nous avons d'ailleurs conduit tout un travail en ce sens pour expliquer au territoire un guide méthodologique, en fait, comment accompagner les néo-travailleurs en milieu rural. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, nous savons que travailler chez soi, ça n'est pas forcément la meilleure chose qui soit, parce qu'il y a un besoin réel de lien social, il y a un besoin d'être dans des conditions de travail qui soient optimum. Il y a également toutes les problématiques d'accidents de travail lorsque vous travaillez au salon et que vous glissez sur le train de votre enfant. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de problématiques qui ont été maintenant clairement identifiées. Et je pense que l'idée d'un chèque bureau qui permettrait de venir travailler dans un tiers-lieu, par exemple, qui serait financé à hauteur de, je ne sais pas, 50% par exemple par l'État, puisque moins de déplacements, donc empreinte carbone bien meilleure, mais également par les entreprises, puisque moins de surface de bureau, c'est aussi beaucoup d'économies. Donc je pense que c'est plutôt un partenariat gagnant-gagnant pour les trois, que sont le salarié, l'entreprise et l'État. Et je pense que c'est aussi une façon de créer un modèle économique pour les tiers-lieux, parce qu'aujourd'hui, on voit il y a eu la création d'un certain nombre de tiers-lieux, mais ils ont quand même quelques difficultés à vivre, et c'est notamment le modèle économique qui est difficile à trouver. Et je pense que ça peut vraiment être un lieu ressource demain pour créer des animations autour des tiers-lieux. Et je vous en parlerai après, parce que j'ai des idées pour ça. Dans cet agenda rural 1, il y avait également les services civiques, qui m'apparaissent être également quelque chose d'important. Le rôle des missions locales. Et enfin, moi, je parle de ce que je connais. J'ai chez moi une mission locale qui fait un travail remarquable et qui, aujourd'hui, a déployé complètement son importance en termes de personnes accueillies. La revalorisation des retraites agricoles, voilà, c'est aussi une excellente chose. En revanche, j'ai regretté que certains points n'aient pas été développés, mais ce sera certainement dans l'agenda rural 2, en tout cas, je le souhaite. Et c'est notamment le déploiement de l'enseignement supérieur en milieu rural, parce que j'y suis très attachée. Je pense que c'est une façon de changer l'image de la ruralité, d'amener des compétences en milieu rural et d'amener aussi, on le voit, beaucoup d'études le prouvent, lorsque l'enseignement supérieur se développe en milieu rural, eh bien, c'est également la richesse du territoire qui est confortée. Et pour ça, bien sûr, c'est intéressant. Il y avait dans l'agenda rural 1 le déploiement des lignes ferroviaires de proximité. Et ça aussi, j'y suis très attachée, puisque vous évoquiez, Monsieur le Président, les problèmes de mobilité. Effectivement, on a un vrai problème en milieu rural et il faut vraiment que nous concentrions sur cette problématique de la mobilité en milieu rural. Et les lignes ferroviaires, eh bien, sont un outil, ça n'est pas le seul, mais elles sont un outil. Et aujourd'hui, on voit tout le mal que l'on a déjà à garder celles que nous avons et les déployer. Et nous avons tenu nos états généraux au pays de Figeac il y a peu de temps. Et nous avions un intervenant de grande qualité qui est venu nous parler des écotrains, qui, je trouve, sont très prometteurs pour l'avenir. Les écotrains, ce sont de nouvelles générations de trains qui fonctionnent avec du photovoltaïque et qui sont sur des rails qui sont beaucoup plus légers, donc avec un coût, bien évidemment, de construction qui est très inférieur. Et nous y avions vu une opportunité pour les territoires ruraux. Donc c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est au stade du prototype, mais que nous suivons de près. Et si nous pouvons l'aider en ce sens, nous le ferons. Dans le même genre, dans l'agenda rural 1, a été noté les campus ruraux. Moi, je crois beaucoup aux campus ruraux qui permettront de garder nos jeunes, parce que là aussi, eh bien, on voit beaucoup les jeunes fuir nos territoires, parce que d'abord, ils quittent les territoires pour l'enseignement supérieur, très souvent, et malheureusement, lorsqu'ils l'ont quitté, ils n'y reviennent pas. Donc, je pense qu'on a vraiment quelque chose à faire aussi à ce niveau-là. Il était noté également dans l'agenda rural 1 l'ouverture des transports scolaires aux autres usagers.
Je crois que c'est aussi une réponse au problème de mobilité. Je ne l'ai pas vu beaucoup mise en œuvre, mais je pense qu'il faut vraiment qu'avec les régions, il y ait un travail de concert qui soit mené pour que d'autres usagers puissent emprunter les transports scolaires. Donc, est né maintenant, selon la volonté de la ministre Dominique Faure, de créer l'agenda rural 2. Nous y sommes bien évidemment très favorables. Et comme l'agenda rural 1 reprenait 200 mesures qui émanaient du terrain, on voit bien que toutes ces mesures, elles étaient très opportunes, elles avaient beaucoup de bon sens. Donc, je ne doute pas que l'agenda rural 2 sera de même nature. Il y a eu donc la volonté de la ministre de créer 6 commissions. Et nous avons été ravis d'avoir été sollicités pour avoir la présidence de l'une d'entre elles, qui concerne la commission attractivité. C'est une des administratrices de la NPP, Martine Boutilla, je vais retrouver son nom, qui préside cette commission. Et il y a eu déjà un certain nombre d'auditions qui ont été conduites et des propositions ont été faites. Elles rejoignent ce que je vous disais, le développement des lignes ferroviaires, le développement de l'enseignement supérieur avec des passerelles, la possibilité de mobiliser pour les territoires ruraux les PLUS, PLAI. Alors là, on est plus technique, mais vous savez qu'aujourd'hui, les PLUS, PLAI ne peuvent être mobilisés que par les bailleurs sociaux qui ne viennent pas en milieu rural. Donc c'est un vrai problème parce qu'on n'a aucun levier au niveau du logement avec les bailleurs sociaux. Donc oui, je pense qu'il faut vraiment mobiliser ces PLUS, PLAI dans les territoires ruraux. A été évoquée la possibilité, un petit peu comme avait été développé le VTA, de développer le VTA qu'on n'a pas voulu appeler senior pour ne pas stigmatiser les seniors, mais qu'on a appelé le VTA expertise, parce que je pense qu'il y a aussi une opportunité avec des seniors, justement, qui pourraient venir apporter leur savoir. Le tiers-lieu avec voilà, un esprit étoffé autour du tiers-lieu. Et quand je vous disais que j'avais quelques idées, étant moi-même professionnelle de santé, je pense que nous avons aujourd'hui un énorme manque par rapport à la prévention. Et je suis très attachée à l'éducation à la santé visant à modifier les comportements. Lorsque chacun a compris l'importance de changer son comportement, il le fait. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas de lieu dédié à l'éducation à la santé. Et je pense que demain, les maisons France Service, les tiers-lieux, pourraient être les maisons de santé pluridisciplinaires, bien évidemment. Mais je considère que ces lieux pourraient être des lieux où serait déployée l'éducation à la santé. Je parle de l'éducation à l'alimentation, mais je parle également de la promotion du sport pour tous. Parce qu'on sait très bien aussi quels sont les effets extrêmement bénéfiques. Dans cet agenda rural 2 a été évoqué également, en tout cas dans notre commission, la problématique du logement. Et nous parlerons certainement du ZAN, mais vous me permettrez d'être inquiète par rapport à ce ZAN et par rapport à la perspective de logement disponible, notamment en milieu rural. Parce que effectivement, moi, je suis parfaitement consciente de la problématique de la consommation foncière. Et bien sûr qu'il faut la réduire, notamment préserver les terres agricoles, puisqu'en plus, moi, je suis dans une terre d'élevage. Donc, évidemment, c'est très important. Mais si nous ne pouvons plus construire, notamment pour des urbains qui veulent venir en milieu rural et qui ne veulent pas se satisfaire de 500 mètres carrés, et que nous ne pouvons pas, en milieu rural, imaginer des réhausses, comme ça peut être le cas en ville, que nous voyons aujourd'hui des bailleurs sociaux qui ont réduit considérablement les programmes de construction neuve, que nous avons une majorité aujourd'hui et encore plus demain de personnes âgées qui vivent aujourd'hui dans des logements qui ne sont pas adaptés parce que ce sont des T3 ou des T4 et qu'il faudrait plutôt leur proposer des petits logements et très économes énergétiquement, eh bien je ne sais pas ce que nous allons faire pour loger les personnes qui vont se manifester, d'autant plus que nous avons énormément de logements vacants qui ne sont absolument pas adaptés, parce que logements à étage, parce qu'ils ne correspondent plus à la façon de vivre aujourd'hui. Je pense qu'il sera indispensable, à côté du ZAN, de prévoir un grand programme de réhabilitation de ces logements vacants et de faire en sorte que la réhabilitation puisse être aidée de façon à ce qu'on ait un vrai effet levier, parce que je vous avoue mon inquiétude par rapport au logement disponible demain. Voilà, nous avons bien évidemment, il y a eu également dans cette commission une réflexion sur les espaces vacants.
les friches, etc. Et la nécessité peut-être d'aller un petit peu plus vite. Vous savez que dans le ZAN, il a été évoqué l'objectif 2030 pour réfléchir aux espaces vacants et en faire une véritable cartographie, en fait. Je pense que ça pourrait être fait bien avant. On pourrait déjà identifier ces zones qui pourraient être renaturées, c'est ça. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'important. Nous avons conduit au sein de la NPP tout un travail concernant la mobilité avec Certinergie pour déployer, enfin, pour identifier déjà des lignes de covoiturage en milieu rural. Ce qui n'est pas simple parce qu'il suffit de regarder un petit peu, surtout en milieu rural, les habitudes et par rapport au bassin de vie, les personnes sont en capacité d'aller travailler aux quatre coins, en fait, du territoire. Donc, on voit bien que le covoiturage, il n'est pas forcément simple. Bon, je pense que malgré tout, il y a quand même quelques lignes qui peuvent être identifiées. Mais pour répondre à ce que vous disiez, je pense que nous devons activer tous les leviers. La possibilité peut-être d'avoir recours effectivement au transport scolaire, mais pas que. Je pense qu'il y a aussi des expériences, parce que nos pays sont aussi, je n'en ai pas parlé, des territoires d'expérimentation. Et nous avons un certain nombre de pays qui ont développé des expériences très intéressantes en termes de mobilité, avec, je ne sais pas si vous connaissez Stop Pouce, par exemple. Et ça peut être aussi un levier autre, intéressant. En tout cas, toutes les pistes doivent être réfléchies. Il y a également des associations, et j'étais hier sur un plateau en lien avec les problématiques de la maladie d'Alzheimer et le déplacement de ces personnes qui, bien évidemment, sont amenées à ne plus pouvoir conduire. Et il y a dans nos territoires des expériences qui sont très intéressantes avec des associations qui se mobilisent pour développer du transport bénévole. Il y a aussi des collectivités qui développent du transport à la demande. Donc je pense que tout cela, ça doit être encouragé pour demain solutionner ces problèmes de mobilité dans nos territoires. Nous avons également un partenariat, je vous le disais, nous avons nombreux partenariats, mais nous en avons un que nous venons de développer très récemment avec une association qui s'appelle Bouge ton coq. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une association qui est très investie en milieu rural et nous nous sommes engagés avec eux pour promouvoir la création de 300 épiceries associatives en milieu rural. Donc c'est vraiment un projet qu'ils portent, qui est aujourd'hui déjà déployé dans un certain nombre de communes, qui est clé en main et nous allons le promouvoir auprès de nos adhérents qui sont bien évidemment en milieu rural et concernés par l'absence d'épiceries locales. Concernant les CRTE, donc vous disiez 20%. Alors en fait, j'ai l'habitude de le présenter un petit peu différemment, puisqu'en fait, certes, il y a des CRTE qui sont portés par des intercommunalités et d'autres par des pays. Et quand on regarde, c'est en fait 47% des intercommunalités qui portent un CRTE mutualisé au sein d'un pays. Il y a, voilà, quelque chose près, 50-50. 50% sont portés par des intercos seuls et 50% sont portés par des intercos mutualisés au sein d'un pays. Ce que nous avons, je dois vous dire, un peu regretté, parce qu'il nous semble que cette plus-value pays est réelle avec cette vision stratégique du territoire qui tient compte de ses forces et de ses faiblesses et qui a identifié d'emblée ce vers quoi nous voulons aller. Donc les actions qui sont portées, elles ne partent pas dans tous les sens, elles partent dans des orientations très spécifiques en fonction de ce que l'on a identifié préalablement. Et il nous semblait que pour le CRTE, qui était un contrat de relance et de transition écologique, eh bien il fallait une connaissance du territoire, qui, me semble-t-il, est la nôtre depuis la création de la NPP, depuis 1997. Et il nous semblait que c'était une réelle plus-value. Bon. Les choses n'ont pas été décidées ainsi. Peu importe, maintenant nous y sommes. Donc on voit bien qu'on a des projets qui se sont déployés dans des délais extrêmement courts. Et ce que l'on peut regretter pour l'avoir vécu dans un certain nombre de territoires et avoir eu les remontées, c'est qu'en fait, plutôt que d'être un vrai projet de territoire, ce qui devait être le cas au départ dans le cadre des CRTE, on a plutôt agrégé un ensemble de projets qui étaient ici ou là. Et en fait, on a fait un amalgame de tout ça
pour dire que c'était un projet de territoire, mais ça n'a pas été fondé, ça n'a pas été une réflexion en amont très profonde pour faire ressortir en fait la plus-value d'un territoire par rapport à un autre, puisqu'on le sait tous, nos territoires ruraux sont très différents les uns des autres, et chacun a ses forces et ses faiblesses, et il faut en tenir compte pour son évolution. Ce que nous avons également regretté, c'est en fait que ce sont les préfets qui ont arbitré les projets qui rentraient dans les CRTE et qui étaient financés. Et j'ai récemment fait partie de la commission DETR pour les projets de plus de 100 000 euros. Et là, j'ai vu aussi que les maires locaux n'avaient pas tout compris, parce que le préfet avait fléché certains projets avec une petite flèche rouge marquée CRTE. Et pour les élus locaux, contractualisation, pour eux, ça voulait dire enveloppe spécifique. Et donc, lorsqu'ils ont vu que le projet était fléché CRTE, ils demandaient combien allait être alloué dans le cadre de l'enveloppe, quand le préfet leur a indiqué qu'il n'y avait pas d'enveloppe spécifique, que c'était le pot commun. Et je pense que nous aurions intérêt à isoler, alors que les fonds dédiés au CRTE sont dans le programme 119, je pense que nous aurions intérêt à les isoler dans le programme 112 pour qu'ils soient spécifiquement CRTE, pour faciliter la compréhension de tous. Et puis, nous l'avons évoqué également, la pluriannualité des financements pourrait être une bonne chose, puisque là, eh bien, chaque année, si vous voulez, ça va un peu à l'encontre de cette vision stratégique qui est la nôtre. J'évoquais également les expérimentations, et je voudrais revenir sur un petit point qui me tient à cœur, parce que nos territoires sont des territoires d'expérimentation. Nous en avons un certain nombre en termes énergétiques, en termes de mobilité, en termes de plans alimentaires territoriaux. Et nous avons voulu les porter à connaissance d'autres territoires qui pourraient être intéressés par ces mêmes problématiques. Et plutôt que de repartir à zéro, se servir de ce qui a été déjà acquis. Donc nous avons fait des petites fiches récapitulatives avec un contact et une petite vidéo du pays porteur que nous avons mis sur notre site de façon à ce que chacun puisse s'en emparer. Et je voudrais revenir, parce que ça a été un long débat, tant avec Joël Giraud qu'avec Jacqueline Gouraud. Il y a un vrai problème entre équité, différenciation, égalité. Et ça n'est pas parce qu'une expérimentation est portée avec succès dans un pays qu'elle doit être déployée partout. Une expérimentation, elle se fait au regard d'une problématique spécifique, et dans un cadre particulier, avec des acteurs particuliers mobilisés. Et ce qui est valable dans un territoire ne l'est pas forcément dans un autre. Donc, on me dit oui, mais finalement, ça va créer une grande inégalité. Non, parce que ce qui a été déployé dans un territoire n'est pas forcément opportun dans un autre. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est majeur dans les territoires ruraux. Voilà, je vous ai dit beaucoup de choses. Écoutez, je reste à votre disposition pour répondre à des questions que vous pourriez avoir. S'il y a d'autres points que vous souhaitez que je développe, je peux, mais je pense que je vous ai dit déjà pas mal de choses. Merci, Madame la Présidente. Moi, j'avais peut-être, avant de laisser la parole à mes collègues, deux, trois questions ou réactions à votre propos. Alors, juste un point un peu technique. Je crois qu'il y a, au sujet du covoiturage, un enjeu autour du partage de la donnée. Et je pense que les autorités organisatrices de mobilité, notamment dans le monde rural où elles ne sont pas structurées, elles ont, si elles veulent pouvoir promouvoir ce type de déplacement, mettre des données à disposition pour qu'ensuite des lignes puissent se structurer. Je crois que ça sera un des enjeux, et ça peut être d'ailleurs un des enjeux des pays. Non, ma question, je voulais avoir un peu votre réaction. Je l'avais par devers moi, le référé de la Cour des comptes sur les PETR, on n'en a pas parlé encore, qui revient un peu avec des propositions un peu fortes, notamment sur la transformation, qui fait un bilan demi-teinte des PETR et qui propose de les transformer en syndicats mixtes ouverts de façon à associer les départements et la région, voire en EPCI élargi. Donc je voulais voir un peu votre réaction sur ces propositions de la Cour des comptes. Et puis après, je laisserai mes collègues poser leurs questions. Monsieur le Président. On a dû auditionner, d'ailleurs. Par rapport à ce référé, bonjour à toutes mesdames. Effectivement, le rapport de la Cour des comptes, elle mérite en tout cas déjà de pointer l'existence de nos syndicats, en fait, et leur plus-value. Alors, on est
C'était un rapport qui était quand même plutôt à charge, c'est-à-dire qu'en fait, l'exemple, en fait, par exemple, des conseils de développement était de dire en fait que 25% des conseils de développement n'étaient pas réunis. Ce qu'on a répondu à la Cour, c'est quand même il y a 75% des conseils de développement qui l'étaient. Donc du coup, toujours en fait avoir le verre plutôt à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Outre ça, sur les préconisations, donc du coup, on a été assez surpris hein, des propositions qui ont été formulées. Déjà, la première des préconisations était de passer en association. C'est bien méconnaître le mode de fonctionnement en fait des collectivités, à savoir que plus de 80% de nos PETR ou PI sont porteurs en fait du SCOT et qu'un SCOT ne peut être porté que par un syndicat mixte. Donc ça sous-entendrait que la Cour des comptes nous inviterait à avoir une association en fait pour porter le développement local et une autre entité syndicale pour porter le SCOT sur le même périmètre avec les mêmes élus. Je pense qu'on est plutôt dans une démarche de rationalisation et de simplification et je pense que la multiplication des structures n'est pas forcément une bonne réponse. La question des EPCI élargis, c'est quelque chose qui se pose de manière assez régulière dans nos PETR, à savoir est-ce que du coup, on va dire, l'intégration est telle qu'en fait une réflexion sur un périmètre et une fusion est pertinente. Donc ça, c'est plutôt une redite du droit. Donc aussi, on était un peu surpris de cette proposition. Et aussi, ce qu'on a pu voir, c'est qu'avec l'expérience depuis le 1er janvier 2017, c'est que la refonte de la carte intercommunale, en fait, voilà, tendait à la mise en place en fait de PCI en fait XXL et qui n'étaient pas forcément fluides dans leur manière de fonctionner. On a eu un groupe de travail là-dessus, on pourra vous transmettre les conclusions. La dernière proposition pour laquelle on était plutôt favorable et plutôt fait à l'écoute sur cette proposition, d'avoir un syndicat mixte ouvert, c'est tout à fait envisageable. Syndicat mixte ouvert, c'est un peu dans la philosophie de nos territoires, qui est de travailler avec l'ensemble des acteurs. Alors on ira même plus loin par rapport à ce que proposait la Cour des comptes. En fait, ce serait un syndicat mixte ouvert. Vous savez qu'il y en a deux formes. Il y a un syndicat mixte ouvert restreint, donc c'est-à-dire avec uniquement des collectivités, ou syndicat mixte ouvert élargi, avec par exemple des consulaires. Et donc on serait même à aller jusqu'à ce niveau en fait, de coopération et même en fait, de définition de sa composition avec des membres en fait, issus de toutes les sphères, en tout cas, qui peuvent concourir au développement local. Donc se référer a le mérite d'exister. On est un peu voilà, critique sur la rapidité de l'analyse et on a pu répondre... utilement, nous n'avons pas eu de réponse depuis un an. Pardon, excusez-moi. Nous avons aujourd'hui un fonctionnement qui est très agile parce que nous avons de petites équipes, en fait, ce qui n'est pas le cas des interco. On voit bien la difficulté, la lourdeur, en fait, de ces interco qui sont devenus XXL. Et nous, ce qui nous différencie, c'est effectivement ces petites équipes qui sont hyper réactives. Merci. Oui, merci, je veux bien et je vais m'excuser pour les quelques minutes de retard. Moi, je partage beaucoup de ce qui a été dit. Le chèque bureau, je ne connais pas, donc je veux bien que vous y reveniez un petit peu. Mais la première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous avez travaillé sur l'angle installation d'entreprise ? En gros, si on veut revivifier nos territoires ruraux, il faut avoir de l'emploi. Donc l'emploi fixe la population. En tout cas, c'est une conviction profonde. Donc est-ce que vous avez travaillé là-dessus pour notamment, on parle de relocalisation, on parle d'urbains qui veulent aller vivre à la campagne, certes, mais est-ce que vous avez travaillé sous l'angle comment on fait pour installer des activités, qu'elles soient industrielles, qu'elles soient de services? Qu'elle soit agricole sur nos territoires, puisqu'on a aussi un problème de transmission d'exploitation qui est pas mince. Et le deuxième point peut-être sur lequel j'aimerais que vous reveniez, vous avez parlé d'enseignement supérieur. Là aussi, je vous rejoins. On va pas mettre de fac à la campagne, c'est pas le sujet. On peut avoir des annexes, on peut avoir des formations spécifiques, par contre, qui s'installent dans nos territoires ruraux. Est-ce que là-dessus, vous avez réfléchi ? Merci. En fait, ça n'est pas dans nos compétences, l'attractivité économique. Ce sont les com-com. Mais en revanche, nous avons tout le volet accompagnement, animation. C'est-à-dire que, par exemple, on le sait très bien, lorsque vous avez un chef d'entreprise qui souhaite s'installer, vous avez toute la problématique de l'environnement. L'école pour les enfants, le travail du conjoint, etc. Et c'est en cela que nous intervenons, dans la mise en relation avec d'autres acteurs. C'est cela que nous faisons. C'est nous facilitons, nous sommes des facilitateurs. Notre mission, enfin, c'est vraiment l'animation au regard de l'activité, de l'attractivité économique. Et concernant l'enseignement supérieur, oui, je pense que
Alors moi je porte, c'est pour ça que j'en parle d'autant plus facilement, hein. Je porte le déploiement d'une classe préparatoire en milieu rural, la première d'ailleurs. C'est très compliqué, je peux vous assurer que même si sur le papier ça figure, c'est quand même très compliqué, alors qu'en fait nous avons les locaux et qu'il nous reste juste 4 postes d'agrégés à financer. Simplement, c'est nouveau et on sait très bien que quand on ouvre les portes, c'est compliqué. Mais je pense que, indépendamment de cela, il y a des possibilités aujourd'hui avec les nouvelles technologies pour faire de l'enseignement à distance, en partenariat avec moi, je fais partie de la région Bourgogne-Franche-Comté, et on a déjà évoqué cela pour avoir des lieux, typiquement, pourquoi pas des tiers-lieux d'ailleurs, où il puisse y avoir un déploiement numérique d'enseignement à distance en partenariat avec l'Université de Bourgogne, voyez-vous. Et j'y crois beaucoup. Simplement, c'est long à se mettre en œuvre, je trouve. Vas-y. Sur la question de l'emploi, effectivement, il y a la création d'entreprise, mais il y a surtout le maintien en fait de l'entreprise, et c'est surtout par un accompagnement en fait par la diversification des activités. Ça, c'est quelque chose que nos adhérents peuvent faire en termes de conseils. Je vous donne un exemple, le Pays Cœur d'Hérault, en fait, donc dans l'Hérault autour de l'Audève, en fait a créé depuis plusieurs années un observatoire. Donc en fait ils ont la base de référence pour tous les créateurs ou en fait en tout cas des questions d'accompagnement vont voir le territoire, qui travaille avec les consulaires, avec la Banque de France aussi, qui a une des missions qui est du maintien et la création d'entreprises, pour pouvoir justement offrir en fait une visibilité d'ensemble sur comment en fait évolue l'écosystème local et en fait comment il est possible de mobiliser en fait différentes dotations ou fonds. Je pensais au FISAC avant, quand il existait encore, on propose d'ailleurs de le réinstaurer, mais d'autres dotations également en fait qui seraient susceptibles de pouvoir être portées. Donc il y a des exemples comme ça très très opérationnels. Le deuxième, sur la question de l'enseignement supérieur, il y a une université, effectivement c'est des antennes, et en fait on va pas délocaliser. On prend un exemple, le pays de Morlaix, en fait, qui développe en fait depuis plusieurs années maintenant, en fait, une antenne à Roscoff, en fait, sur tout ce qui est recherche sur les algues, en fait, en lien avec le CNRS. Donc il y a du coup des délocalisations comme ça qu'on souhaite en fait justement porter à connaissance de l'ensemble des acteurs pour donner des idées. Josiane en a donné une autre. Et votre dernière question sur le chèque bureau, effectivement, en fait, quand on parle de télétravail, en fait, on parle de domo travail, en fait, à domicile, mais en fait, la question c'est plutôt du proxy. Proxy travail, en fait, c'est la proximité sans avoir effectué tous les déplacements, mais en retrouvant un écosystème dans lequel la personne peut exercer en fait avec d'autres et interagir avec d'autres. Donc le chèque bureau en fait serait une des solutions, justement, selon nous, pour pouvoir en fait déployer ça. Blandine Brocard. Merci beaucoup. Ça valait un peu la même idée que ce que vous avez dit en ce qui concerne le référé de la Cour des comptes. Merci beaucoup déjà pour votre présentation. J'avoue que je ne connaissais pas très bien, j'allais dire, l'intérêt des pays. Je connaissais les syndicats, les interco et autres. Mais justement, en vous écoutant encore une fois très attentivement et en voyant très bien tout l'intérêt de ce que vous portez, je me pose cette question qui est, est-ce qu'on ne rajoute pas encore une feuille à ce fameux millefeuille ? Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent rentrer, qui peuvent être de la compétence, effectivement, d'autres collectivités en particulier. Encore une fois, en entendant très bien qu'il y a une vision particulière. Ma seconde question, c'est, j'allais dire, pourquoi réserver ça aux territoires ruraux ? Parce que... Il y a plein d'exemples que vous avez donnés qui, je trouve, concernent aussi des territoires qui ne sont pas considérés comme ruraux en tant que tels. Je suis député du nord du département du Rhône. Un certain nombre des communes de ma circonscription font partie de la métropole de Lyon. Sur le papier, absolument pas rural. En pratique, avec un certain nombre de problématiques que vous avez soulevées, et je pense en particulier au projet alimentaire de territoire, un certain nombre de mes communes, je mets plein de guillemets, s'engageraient très volontiers là-dedans. Elles ne peuvent pas le faire parce qu'elles font partie de cette métropole de Lyon. Vraiment pour dire ce grand intérêt et pas seulement dévolu aux territoires ruraux. Stella Dupont.
Oui, merci, Monsieur le Président, puisque ma question rejoint un petit peu celle évoquée par Blandine Brocard à l'instant. Ça concerne notre organisation territoriale et la place, justement, de nos pôles à l'intérieur de cette organisation. Les dernières lois de décentralisation qui ont eu des impacts plus ou moins forts dans nos départements suivant les cas de figure, moi je vous parle du Maine-et-Loire, donc forcément commune nouvelle, grande interco, etc., et donc impact sur les pôles. Ça m'intéresserait de dérouler la pelote du évoquée par notre président sur les conséquences de cette réforme, enfin de la mise en œuvre de cette réforme passée sur les pôles. Je suppose que le nombre s'est plutôt resserré, quand bien même les compétences exercées, au vu de ce que j'en connais, sont effectives et intéressantes, notamment pour les territoires ruraux. J'étais moi-même élue longtemps dans le pôle quand il existait sur mon département, enfin sur mon territoire. Donc je pense assez bien connaître l'intérêt justement de ces outils-là. Mais voilà, quelles conséquences de votre point de vue et quel est l'état des lieux un petit peu au-delà du nombre que j'ai bien noté. Et puis, on va de nouveau parler de réforme institutionnelle, alors même si les pôles ne sont pas cités en tant que tels. Bien entendu que nos différentes strates pourraient être questionnées. Est-ce que vous vous positionnez? Est-ce que vous avez commencé à réfléchir à la question? Est-ce que vous avez des contributions d'ores et déjà à nous partager? Merci. Oui, alors du coup, cette question du millefeuille territorial, enfin du millefeuille administratif que vous évoquez et non pas territorial. Donc pour nous, on ne se considère pas comme ça, en fait. D'une part, je vais être tout à fait transparent, la vie est compliquée. Pourquoi l'aménagement du territoire serait simple? C'est, en fait, on est une expression, en tout cas, de la réalité du terrain. Donc en fait, il y a plusieurs moyens, en fait, de coopérer. Et qu'en fait, à chaque fois, la question, c'est qu'en fait, la coopération n'est pas une préfiguration d'une fusion à venir. Vous parlez du nord du Rhône. En fait, je pense que le pays de Beaujolais, qui fonctionnait très bien jusqu'alors, le fait d'avoir fusionné les intercos a créé des crispations dans la fluidité des échanges qu'on peut avoir. Il y a eu d'autres cas, en fait, dans d'autres départements, qui fait qu'en fait, laissons en fait un cadre souple pour les gens à coopérer sans être obligés de fusionner et devenir interco. D'où l'intérêt d'avoir ces espaces. Alors du coup, en fait, il y a les PETR, il y a les PI, il y a les pôles métropolitains, il y a les SCOT. Peu importe la forme juridique, en fait. C'est à partir du moment où on a des formes de coopération qui permettent d'avoir à chacun des élus de pouvoir en fait faire du sur-mesure en fait dans les actions apportées. Donc c'est comme ça que nous on se positionne et justement à pas aller sur la fusion. Qui dit fusion effectivement dit après donc interco. Les interco c'est en moyenne c'est 300 agents par territoire. Nos agents en fait en moyenne c'est 12 ETP par territoire. Donc en fait toute cette fluidité, cette réactivité qu'on peut avoir dans une structure pays, on ne la retrouve pas forcément dans une structure intercommunale parce que organisation râteau, parce que alors, plus grande lourdeur, et c'est pas grave, parce que les intercos, et Jocelyne le disait très bien, répondent aux besoins primaires des habitants. C'est tout ce qui est la gestion des fluides, le traitement des déchets, l'éclairage public. Et c'est ce que nos concitoyens demandent en premier lieu. Après, nous, ce que nous portons comme mission, ce sont des missions du développement local. Donc, en fait, désolé pour le terme un peu Miss France. D'ailleurs, c'est à l'ordre du jour dans pas longtemps, il me semble. En fait, c'est comment réenchanter les politiques publiques. C'est-à-dire qu'en fait, comment on arrive à donner un sens entre des outils contractuels, CRTE, CLS, etc., et en fait avec des outils réglementaires, le SCOT, le plan climat, et comment on arrive à donner un sens à tout ça. Et c'est ça ce que nos adhérents en fait arrivent à faire, c'est à donner un sens. Et donc je pense que c'est quelque chose où il y a quand même des défiances en fait un peu à tous les étages, le fait de redonner confiance par la concertation, par en fait la définition d'une stratégie et aussi par l'évaluation. C'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué depuis le début. Nos adhérents sont extrêmement sensibles à pouvoir en fait élaborer des stratégies d'évaluation dès l'élaboration en fait de l'outil pour pouvoir le quantifier et d'arrêter de se dire en fait en fin de programme, ah ben zut, on a oublié de mettre les curseurs, comment ça. Donc pour nous, la question du millefeuille, on peut l'entendre, mais après, dans la traduction opérationnelle, enfin, ça s'entend pas parce que, en fait, un peu les raisons que j'ai pu vous évoquer. Après, sur la question des communes nouvelles, en fait, le Maine-et-Loire est quand même s'illustre par rapport à la dynamique qui s'est observée. Encore une fois, le mode de fonctionnement que vous avez retenu en Maine-et-Loire, vos collègues élus, en fait, correspondait à une envie locale. Et vous correspondez à une envie locale. Après, je pourrais reprendre, par exemple, le rapport qui est sorti la semaine dernière sur l'IGA, en fait, l'Inspection Générale de l'Administration, qui a été extrêmement critique sur les communes nouvelles.
mais pas Seine, du Maine-et-Loire. J'aurais dû soulever l'astérix. Et donc, effectivement, donc, c'est-à-dire, laissons les territoires s'organiser comme ils l'entendent. C'est surtout ça le message, en fait. Bon, alors, on va être tout à fait honnête. Pour l'instant, en fait, on ne sait pas exactement les contours que ça va prendre. C'est, est-ce qu'on va relancer la question des compétences? Est-ce qu'on va relancer la question des périmètres? À notre sens, en fait, je pense que l'évolution en fait, des intercos est encore trop fraîche pour dire exactement si c'est pérenne ou pas. Est-ce que, je pense qu'il y a besoin de maturité avant qu'on relance encore une grande réforme des collectivités locales. Évidemment, je ne serai pas juste à vous dire qu'à promouvoir en fait, cette approche pays, en fait, c'est pas la notion de pays en tant que tel, je vous le redis, ça s'appelle un PNR, un pôle métropolitain, peu importe, c'est-à-dire le fait d'avoir cette échelle supracommunautaire qui arrive à définir du projet et de la stratégie. C'est ça qui nous importe, au fait. Donc, pôle métropolitain, encore une fois, et c'est une proposition qu'on a pu être déjà formulée, c'est qu'en fait, au lieu d'avoir un outil pôle métropolitain et un outil PETR, pourquoi ne pas réfléchir à une fusion des statuts et d'avoir un outil pôle territorial, quel que soit en fait les seuils démographiques. Et puis je pense que ça enverrait aussi un signal assez fort en ce moment par rapport en fait à ces oppositions urbain-rurales. C'est-à-dire pourquoi en fait à chaque fois avoir un outil en fonction la spécificité en fait et la physiologie du territoire. Ce que vous évoquez par rapport à ça. Donc pôle territorial par exemple. C'est donc on ne sait pas si on va être concerné ou pas, mais on portera toujours cette question du développement local en tant que tel et la stratégie. Et je voudrais revenir sur ce que vous évoquiez, la notion coopération. Effectivement, on a toujours pour habitude d'opposer urbain et rural, mais moi, je trouve ça très choquant, parce que, comme le disait très bien Michaël, on peut tout à fait ensemble s'en fusionner. Et on voit la lourdeur que l'on a créée avec les grandes intercos. Si elles sont devenues peu réactives, c'est parce que les périmètres ont très largement augmenté. Et au-delà de perdre les élus, notamment les élus des petites communes rurales, eh bien, cela vient aussi de ce fonctionnement administratif qui est devenu très lourd parce qu'on se retrouve avec un nombre de salariés très important. Et je crois qu'on aurait peut-être gagné à établir des conventions entre des intercos sans les fusionner. On peut très bien travailler ensemble par le biais de conventions. Et moi, je le crois profondément. Et je crois qu'effectivement, il y a eu des effets très bénéfiques dans les contrats de réciprocité. Et j'y crois beaucoup. Et je pense que nous devons aujourd'hui les inciter. Parce qu'on a tendance à penser que le ruissellement s'opère naturellement, ce qui est faux. On le voit bien. Et est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une bonification de en termes de financement, si effectivement il y a un vrai partenariat urbain-rural qui est développé, voyez-vous, pour essayer de les inciter davantage. Mais je ne suis pas favorable à une fusion, parce que qui dit fusion dit lourdeur. Et aujourd'hui, on a plutôt besoin, dans un monde qui bouge, d'être hyper réactif. Voilà. Peut-être pour rebondir sur l'intervention de Stella Dupont, avant de vous laisser la parole, on va lancer au début d'année prochaine un groupe de travail sur la décentralisation, quand même, pour réfléchir à ces sujets-là et d'autres. Hein, donc, vos contributions seront les bienvenues. Et si c'est vrai que c'est toujours un peu gênant d'opposer le monde rural et le monde urbain, néanmoins, même si ça prend des termes différents, les fractures territoriales, elles existent. On voit bien que nos politiques publiques sont mises en grande difficulté. Moi, je viens d'un département, la Gironde, où on voit qu'on a un pôle métropolitain très mal relié à ces autres territoires en matière de mobilité, en matière d'infrastructure, en matière de développement économique. Et ce n'est pas qu'avec le monde rural, c'est aussi avec le monde périurbain. Et je lisais dans le référé de là, décidément, le référé de... Mais c'est un élément du débat. Il disait que le bilan des 7 contrats de réciprocité conclus s'avère très mitigé, ne dispose pas de financement de la métropole, mais seulement dans certains cas de crédits spécifiques. Donc il faut quand même interroger la robustesse de ces contrats de réciprocité. Si ce n'est pas un changement institutionnel, faut-il que cette solidarité territoriale, elle prenne corps et elle soit effective? Parce qu'on sait aussi notre tendance les uns les autres à signer des papiers qui ne sont pas toujours très, très effectifs. Alors je vais laisser la parole à M. Rome qui l'a demandé. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, je viens du pays Cœur d'Hérault, donc que vous évoquiez. Finalement, l'exemple local contredit certaines choses que j'ai pu entendre. Donc, ça va me permettre d'en discuter parce que, dans ce pays Cœur d'Hérault, notamment, il y a un objectif de fusion, en fait, qui a été ancien, qui est pour l'instant en stand-by, et donc, du coup, qui pose une difficulté dans l'organisation du pays
à laquelle, la définition à laquelle je suis très attaché, c'est-à-dire une notion de projet. Voilà. Et là-dessus, il me semble, et vous y avez, vous l'avez appuyé au tout début, que l'ingénierie est extrêmement importante. Et je crois que les collectivités, en tout cas les communautés de communes, s'y retrouveront, et même les villages, voilà, s'y retrouveront quand ils auront cette visibilité que le pays va être vraiment une porte d'entrée, comme peut l'être le département, dans lequel ils peuvent aller chercher de l'ingénierie. Aujourd'hui, en tout cas, allez, du point de vue des réalités que j'ai, il y a une sorte de détachement du pays qui a ses propres objectifs et qui, finalement, ne recoupe pas forcément les projets ensuite que peuvent avoir plus individuellement les communautés de communes. Et ça a une conséquence, et je vous interrogerai un peu sur ça, pour voir, parce que ça peut être un point de vue très local, et voir si ça existe ailleurs. Il y a des phénomènes de concurrence, hein, en fait, qui sont en train qui s'installent extrêmement fort. Voilà, entre les trois communautés de communes. Et donc, du coup, il y a un enjeu dans ce pays, c'est celui de le diriger, donc du coup de déséquilibrer un peu les projets. Donc on perd la notion de projet, ce qui du coup fait perdre, on se dit, on a une millefeuille qu'on doit pouvoir supprimer puisque finalement ça ne sert pas à l'équilibre territorial. Et je me pose aussi la question par rapport à l'ingénierie et au financement. On a souvent des pays qui finalement font des projets qui soit à la hauteur du financement qui est possible derrière. Vous évoquiez la mobilité. On a un réseau pouce sur notre si on en fait le bilan réel, en fait, ça ne fonctionne pas parce que les gens ne peuvent pas se déplacer au moment où ils le veulent. Donc ça ne fonctionne pas. Ce qui pourrait fonctionner, c'est effectivement des investissements sur le train du quotidien avec des lignes qui existent, etc. Mais on n'est pas du tout dans un pays où les trois Comcom sont en incapacité totale de pouvoir avoir ces financements et donc du coup renoncent à étudier ces pistes de réouverture, de planification, d'identification des coûts de ces réouvertures. Et donc on perd finalement le sens du projet qui pourrait structurer l'ensemble du territoire de manière pérenne. Donc voilà, comment vous voyez donc du coup ces articulations pour faire en sorte que le projet reste bien au central par rapport finalement aux moyens qui font que le projet se perd de vue. Je vous rejoins tout à fait sur ce que vous disiez. Il y a une concurrence qui s'opère aujourd'hui. Mais il y a une concurrence aussi qui s'opère parce que les Comcom ont beaucoup grandi, que certaines ont des appétences pour devenir pays quelque part. Et en fait, et si vous voulez, les CRTE nous l'ont montré aussi, le fait que le gouvernement ne tranche pas si ces CRTE devaient être portés par des Comcom ou par des pays, c'était quelque part ne pas reconnaître l'importance du projet que portaient les pays. Donc, finalement, ça a conforté les intercos en se disant peut-être que demain, nous pouvons être les pays, tout simplement. Et je trouve que c'est dommage parce que nous ne faisons pas le même travail, nous ne portons pas les mêmes choses. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le cadre des transitions qui sont les nôtres et des problématiques de développement local telles que nous le concevons, on a besoin de travailler tous ensemble. Et on n'a pas, enfin, il ne faut pas être dressés les uns contre les autres. Et aujourd'hui, c'est quand même l'ambiance de terrain. Et si vous voulez, c'est même pire que ça, parce que moi j'ai une interco qui était toute petite, qui faisait 2300 habitants, qui a fusionné pour devenir une interco à 12 000, et qui, bien qu'elle était dérogataire puisqu'elle avait fusionné il y avait moins d'un an, eh bien les élus ont voulu qu'elle devienne encore plus grande, ce qui fait que maintenant c'est une interco de 40 000. On a perdu tout le monde. Et le pays, aujourd'hui, c'est 90 000 habitants. Donc, la grande interco de 40 000, elle n'a qu'un espoir, c'est que le pays disparaisse et qu'elle la remplace. C'est à peu près ça. Et je trouve dommageable, parce que, si vous voulez, je pense qu'on a besoin de travailler ensemble. On ne fait pas tous la même chose, on est complémentaires. Et on aurait besoin de trouver ce maillage ensemble. Sauf qu'aujourd'hui, c'est très compliqué, parce qu'il n'y a pas la volonté des élus de travailler ensemble. Vous vouliez rajouter un point avant d'être finalement.
Première chose, par rapport au contrat de réciprocité, encore une fois, ce rapport de la Cour des comptes me fait rire. Sur quelle base ils estiment le contrat de réciprocité ambitieux ou pas ? C'est quoi les critères objectifs que la Cour des comptes a retenus ? Voilà, moi, je pose juste cette question. Quand on voit ce qui s'est passé à Toulouse, par exemple, Toulouse Métropole avec le Pays Port de Gascogne, on a fait exploser des barrières, notamment mentales, sur la manière dont l'urbain réagissait par rapport au rural. Rien que ça, en fait, on a mis le pied dans quelque chose de nouveau. Donc, encore, je le demanderai à la Cour, si jamais ils veulent bien, quels sont leurs... On leur a demandé... La réponse, c'est ça. Exactement. Contrat de réciprocité. D'ailleurs, Montpellier va bientôt en signer un en fait, avec Cœur d'Hérault. On voit bien qu'il y a une dimension que Montpellier n'aurait pas signé simplement avec l'un des intercos. C'est parce que c'est le pays qui représente en fait, un seuil et puis un esprit, une philosophie. Sur le pays Cœur d'Hérault, mais comme ça vaut pour tout le monde, en fait, le pays n'est pas là arc-bouté. On n'a pas de mission. En fait, on a des missions, on n'a pas de compétences. À partir du moment où en fait, les intercos veulent récupérer en fait, la mission portée par le pays, on va dire que c'est que le pays a permis en fait, la maturité de la manière dont c'est porté et ensuite on le rebascule. Là, on voit bien en fait la question des PAT par exemple. En fait, les PAT, nous ça fait 10 ans qu'on en parle. Je veux dire, c'est pas nouveau pour nous. Ouais. Et que en fait, maintenant que tout le monde en parle, ça rebascule aux interco parce qu'elles souhaitent le reprendre. Ça pose pas de problème. Il y a des sujets nouveaux quand ils sont en train d'être ouverts en ce moment, le numérique, la politique de l'âge par exemple, à réinvestir la question de la culture. C'est pas un problème en fait. Et c'est le pays qui est toujours ce côté un peu avant-gardiste et qui permet de l'expérimentation. Donc s'il y a une réflexion effectivement, mais je trouve ça bien de s'interroger. Mais au cœur des roues, mais il y en a dans d'autres territoires. Voilà, donc c'est sans problème. Delphine Brocard. Alors, Blandine Brocard, monsieur le président. Mais il n'y a pas de souci, j'ai compris qu'il s'agissait de moi, c'est l'essentiel. Merci. Non, je serai pas très, très longue, mais c'est vrai que c'est très intéressant, ces échanges. Pardon. Une question, est-ce que le pays, justement, a toujours les mêmes contours géographiques ? Parce que selon qu'on parle de transport, d'alimentation, d'enseignement supérieur, tous les thèmes que vous avez mentionnés tout à l'heure, j'allais dire, le territoire, justement, concerné n'est pas forcément le même. Et là, je pense, justement, au syndicat de communes, qui existait bien plus avant qu'on ait des EPCI qui maillent tout notre territoire national, qui avait cette spécificité, et je trouve, qui répondait, justement, à un véritable besoin local, c'est que eh bien, ça pouvait être certaines communes en ce qui concerne l'eau et l'assainissement qui se mettaient ensemble, d'autres communes pour la voirie. Donc est-ce qu'il y a aussi ça en ce qui concerne les pays ? Et deuxième réflexion, encore une fois, dans la continuité de nos échanges, c'est que là, quand même, ce qu'on est en train de dire, c'est que les EPCI, vous venez de dire que ça peut arriver que les EPCI récupèrent, j'allais dire, le travail mené et abouti par les pays. Quid, justement, est-ce qu'elles ne sont pas, mine de rien, soit elles ne correspondent pas exactement aux attentes d'un territoire. Enfin, voilà, moi, je me pose vraiment aussi, au fond, la question des EPCI. Merci. Blandine. Non, mais je crois que ce que vous évoquez est très juste. Typiquement, les problèmes de mobilité, ça dépasse largement l'interco. Et c'est pour ça que le pays, lorsqu'il a été imaginé, on a considéré le bassin de vie de la population. Donc, effectivement, il y a des thématiques qui, me semble-t-il, doivent être traitées à l'échelle du pays et non pas de l'interco. Mais ce qui n'empêche pas de conventionner avec un département, voyez-vous, limitrophe. Moi, j'ai le cas, par exemple, la Saône-et-Loire, nous sommes limitrophes de l'Allier, nous sommes limitrophes de la région Rhône-Alpes. Voilà, la mobilité, il faut aussi qu'on la réfléchisse avec la région Rhône-Alpes, parce qu'on a des trains qui vont jusqu'à Lyon. Et donc, oui, c'est cette capacité qu'ont les pays aussi à travailler avec les territoires environnants. On dépasse largement, on est dans notre bassin de vie, mais on peut essaimer en fonction du besoin. Mais après, la question que ça soulève, c'est quand on dit ça, que la mobilité, c'est plus que l'interco, on arrive sur des problèmes de compétences à exercer. Une fois qu'on s'est dit, bon, on a fait un bon projet de territoire, c'est investir, faire un schéma des mobilités. Donc, on bute après sur la question du périmètre compétences et territoire pertinent. Enfin, j'imagine que c'est ce que vous aviez en tête.
Et de financement, de ressources, tout, bien sûr. Mais, ressources, mais, compétences. Mais d'où tout l'intérêt, en fait. Je ne comprends pas pourquoi vous butez sur ça. En fait, vous avez... Non, mais sur le fait des compétences, c'est-à-dire qu'après, en fait, l'espace de la stratégie n'est pas celui de la mise en œuvre des compétences. C'est pas grave, en fait. Il y a tout le monde autour de la table. Donc, à partir du moment où, en fait, il y a un accompagnement par cette ingénierie dont tu as défini sur une trajectoire à opérer, en fait, sur les 15, 20, 30, 20, 50 ans, en fait, après la mise en œuvre, rien n'empêche à ce que tout le monde, en fait, travaille de concert. Et il y a des fois, je vous rejoins, ça n'épouse pas, effectivement, le périmètre exact d'un EPCI. Et ça n'empêche pas d'avoir une coopération avec un PCI voisin. Voilà, donc c'est pas un sujet en tant que tel, en fait. C'est juste une gymnastique, en fait, à répondre de manière cousue-main en fonction des sujets, des thématiques. Donc c'est juste... Voilà. Et le but, c'est quand même d'être au plus près des populations et de coller aux besoins de la population. C'est quand même le souci premier, quelle que soit la thématique que nous considérons. Bien. Christine Perret. Oui, juste peut-être. De plus en plus, les interlocuteurs des préfets, c'était les présidents de PCI. De moins en moins les maires. Est-ce que les présidents de pays sont des interlocuteurs privilégiés ? Bien, on l'a vu au moment du CRTE, si vous voulez. Et en fait, moi, je vous cite mon cas précis. Il y a eu un défilé auprès du préfet, des présidents d'interco, présidents de pays, etc., parce que tout le monde voulait porter le CRTE. Et en fait, il se trouve que, chez moi, le préfet a tranché pour le président de pays. Alors, je ne parlais pas exclusivement du CRTE. On a eu des crises sanitaires, on a eu des visioconférences régulièrement. On a certes le CRTE, mais on a plein de, voilà, d'autres sujets où le préfet a besoin d'interlocuteurs. Et donc, voilà, moi, j'ai quand même l'impression que de plus en plus, il s'appuie sur les présidents de PCI, ce qui crée d'ailleurs, ce qui participe d'une ambiance pas toujours très saine, je trouve, très propice au travailler ensemble. C'est pour ça, d'ailleurs, monsieur le président Thomas, que je l'ai voté, la loi NOTRe, hein, mais aujourd'hui, franchement, je suis très, très, très sceptique sur ce qu'elle a induit. Parce qu'en fait, ce qui a présidé à la loi NOTRe, mais aussi aux grandes régions, ce qui a présidé, voilà, c'est pour ça que je dis, on nous a menti. Ouais. J'en veux beaucoup, beaucoup à ceux qui étaient en place à l'époque et qui le sont toujours, dans les ministères, parce que quand on leur posait la question, on voit bien qu'aujourd'hui, on a été roulé dans la farine. C'est-à-dire que le paradigme toujours plus gros, Big is Beautiful, il est toujours à l'œuvre. Et que moi, je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas de schéma idéal, il n'y a pas de schéma à dupliquer, mais... Par contre, le principe de subsidiarité, vraiment, il a montré qu'il était robuste et qu'il devait nous servir de cap. Voilà. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce que le retour en arrière est possible ? Moi, je ne veux pas tout repartir à zéro et je ne veux pas tout déconstruire. Je me dis juste qu'il y a certaines choses qu'il faut revoir et que pour les revoir, il faut prouver que ça coûte plus cher. Parce qu'en fait, tout ça, finalement, c'est voilà, les finances, quand même, c'est ce qui... Voilà, l'argent est toujours le nerf de la guerre. Et donc, si, effectivement, on arrive à prouver, à objectiver le fait que ces constructions-là, finalement, qui devaient faire des économies, n'en font pas, bien au contraire, alors on pourra peut-être faire une marche arrière. Et puis, à vous évoquer l'aspect financier, certes, la loi NOTRe nous a été vendue comme faisant des économies. On voit bien que ce n'est pas le cas. Et encore chez moi, j'ai une construction de 2 millions d'euros pour abriter les nouveaux locaux de la Comcom parce qu'ils sont trop à l'étroit. Mais indépendamment de cela, je pense que c'est vraiment le bien-être des populations. Et si vous voulez, le fait d'avoir fait des grandes régions, eh bien, on a une lenteur à la décision qui est impressionnante. Et en fait, si vous interrogez les habitants, ils vous disent que quand ils demandent quelque chose à la région, eh bien, il n'y a pas de réponse avant plusieurs mois. Donc, ça n'est satisfaisant pour personne. Et je pense qu'au-delà du problème financier, c'est l'éloignement du citoyen et de l'élu. Et ça, c'est terrible, je trouve. Et pour répondre à votre première question, qui est l'interlocuteur des préfets ? Alors, je vous évoquais les CRTE, où ça a été quand même une gentille bagarre. C'est plutôt celui qui a parlé le plus violemment, qui a arraché les CRTE. Mais dans le cadre de la crise Covid, chez nous, typiquement, l'interlocuteur du préfet, ça a été le département, président de département. Vraiment, il y a eu une... Moi, je suis encore conseillère départementale, et il y a eu vraiment un binôme extrêmement opérationnel, préfet, président de département.
Je réagis. Stella Dupont pose une question, et puis on conclut. On avait pris l'engagement de terminer avant, parce que je pense que ça nous amènerait l'heure, mais c'est bien, on pourra en débattre dans d'autres cadres. Mais quand on veut faire le bilan, bien sûr, y compris des intercommunalités, excusez Christine Pires-Bonne, des fois on a du mal à intégrer tout le bloc communal, c'est-à-dire avoir une vision complète de combien coûtent nos politiques publiques. Et en revanche, même si je suis très attaché à la question financière, étant moi-même comme Christine Pires-Bonne, membre de la commission des finances, donc pas complètement à côté de ces sujets-là, on ne peut pas résumer ce qu'a apporté des échelons de mutualisation uniquement à la question de ce que ça fait des économies ou pas, parce qu'on voit des territoires où ça a permis d'amener du service public qui n'en avait pas aussi. Et je crois que quand on fera le bilan, il faut faire attention à ne pas tomber uniquement dans est-ce que ça nous aura permis cette mutualisation de faire des économies, est-ce que ça a permis de diffuser une politique publique dans des territoires qui n'en avaient pas, de remonter des services publics, ce qui est aussi des éléments de bilan. Enfin voilà, c'est pour lancer le débat. Entièrement d'accord, Thomas. Entièrement. Je dis juste que ce prisme-là nous permet de poser le débat. Parce que si on ne le démontre pas, on n'ira jamais plus loin. Mais je suis entièrement d'accord avec toi sur ce que peuvent amener certaines interprétations. Stella. C'est passionnant et je pense qu'on est tous très intéressés par le sujet. Ça prouve qu'il y a des choses à en dire et à en retenir, des corrections à apporter, bien évidemment. Je pense que la clé, vous le disiez, j'utilise souvent le terme d'agilité, c'est-à-dire qu'il nous faut beaucoup d'agilité dans nos organisations. Je pense que derrière le coût, Tu mets en avant beaucoup, Christine, la question du coût. Thomas vient d'y répondre. Je pense qu'il y a la question des compétences nouvelles aussi. Moi, dans mon département, la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention inondation, avec la question de la Loire et des nombreuses rivières. On est le département le plus irrigué de France. Donc, c'est une énorme compétence qui nous arrive en pleine figure, quand même. Et puis, le PAT, vous avez évoqué, Madame la Présidente, tout à l'heure, cette question de l'alimentation, etc. Tout ça, ce sont quand même des compétences nouvelles qui arrivent sur les territoires, alors soit sur un pôle, soit sur une interco, enfin, peu importe comment ça s'organise dans les faits. Mais on ne compare pas toujours des choses comparables en termes d'effectifs de nos structures. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas demander au territoire de faire beaucoup plus, de réfléchir sa stratégie, et que ce soit pour la transition écologique, pour l'alimentation, pour la cohérence territoriale. Enfin bref, moi je trouve que on a des opportunités formidables d'organisation de nos territoires et de définition de la stratégie d'avenir, mais ça ne peut pas se faire à moyen équivalent dans la plupart des cas. Il nous faut des hommes et des femmes pour réfléchir tout ça. Donc c'est normal qu'on ait des coûts en face de politiques nouvelles, en définitive, qui jusqu'alors n'étaient pas exercées de cette manière-là, en tout cas. Et je pense que peut-être ce qui manque aussi, c'est que dans cette organisation territoriale qui s'est adaptée à la loi, depuis la loi NOTRe, la loi MAPTAM, c'est la question des gouvernances. Et je crois que dans un département comme le mien, vous prenez votre exemple, je prends le mien, nous aussi, pendant la crise sanitaire, ça a bien fonctionné avec le département, mais c'est bien les intercos qui ont été, les 9 intercos qui ont été les interlocuteurs privilégiés du préfet. Mais après, ça dépend beaucoup de la qualité de la gouvernance propre à chacune des intercos. C'est-à-dire que si tu as les présidents qui sont vraiment relais des maires du territoire, eh bien, tu n'as pas le même rendu final et tu n'as pas les mêmes frustrations et la même implication. Donc, je pense que la question de la gouvernance est au moins aussi importante que la question de l'organisation, au final, qui est définie ici ou là. Je crois que ça doit être... Merci. C'est la volonté de construire ensemble pour le bien-être des populations. Et si nous ne retrouvons pas cette proximité, cette agilité, cette écoute, eh bien, nous aurons de plus en plus de personnes qui ne voteront plus. Parce que c'est ça, l'impression d'abandon, elle vient majoritairement de là. C'est quand vous avez 4 mois pour avoir une réponse, ça ne satisfait personne. C'est une magnifique conclusion et ouverture sur nos prochains travaux à la rentrée. En vous remerciant encore une fois, chers collègues, d'avoir participé à cette audition. À vous, merci à vous.